son clown, ça veut dire son macaque courir et pour son raciste. Donc, débat, niveau de débat, pas de bon, journaliste l'a perdu contrôle du débat. Donc, grand pis. Mais pour le moment, c'est Biden qui gagne un débat. Demain. Mais, premier débat, par exemple, signification vraiment dans le débat présidentiel américain. Mm-hmm. C'est deuxième et troisième débat qui a des significations. Par exemple, Mitt Romney était calé Obama dans le premier débat, et puis dans deux débats après, Obama était venu calé Mitt Romney. Mm-hmm. Ouais. Et donc, on va regarder le développement deuxième débat qui a fait le 15 octobre. Et troisième débat qui a fait le 22. Bon débat pour vice-président qui a fait le 7 mai. Débat pour vice-président, pas jamais gagné impact sur l'élection présidentielle. C'est débat présidentiel. Donc, année ça, Jean-Pierre américain mobilisé, il prévoit gagner à peu près 156 millions de monde qui a voté dans l'élection américaine. Ça, donc, dossier qui est plus important jusqu'à présent, qui montre qui est important dans l'élection. Ces profils de leaders qui sont radicalement différents, c'est dossier économique là, et puis dossier Jean-Président Trump géré coronavirus. Là. Mm-hmm. Et bah, ça a aussi pas affecté l'élection. Et c'est pour ça que tous deux candidats ont chuté en pile sous trois points principaux. Dossier Haïti n'a pas pu au cœur de ce débat, non? Non, cher. Haïti n'a pas sous quatre géopolitiques vraiment. Pour dire, ça veut dire que c'est gros dossier qui a brassé, donc ça veut dire c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est Moyen-Orient. Même les rentrés dans la région Panouan, c'est deux dossiers qui sont vraiment importants, c'est Cuba et le Venezuela. Donc c'est deux dossiers prioritaires dans la zone noire, nous pas assister au tirage. Comme nous sommes dossier élection américaine dans toujours. Bon, moi, je ne suis pas américain, mais pour haïtien qui est américain. Avant nous venir sur Bola Kaibano, et jusqu'à présent dans les sondages, donc Joe Biden pratiquement est devant. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est capable de renverser tendance? En général, alors pour les gens qui spécialisent dans la gestion de campagne électorale, ils connaissent que le parti qui est plus important les élections. En dedans pays, dans n'importe qui pays ou pour n'importe qui candidat, parti qui est plus important, c'est laisser à tout le monde venir brancher, c'est 30 derniers sous élection. Donc c'est laisser à pour une discipline de message, c'est laisser à dépenser 85% de la campagne. Là. Tout l'argent qu'on dépense au mois avant fin campagne, là, c'est l'argent gaspillé. Cop qu'on va dépenser qu'on va gagner effet dans la campagne, là, c'est 30 derniers jours de campagne. Là. Donc, il va dépendre de perception que vous avez de gens, ni Biden, ni Trump, pour gérer l'économie, pour faire suivi dans le coronavirus. Là. Et puis, conseil de dossier qui est bon pour le Parti démocrate, là, parce que dissension qui gagne et question raciste qui vient de faire surface aux États-Unis entre blancs et noirs, l'immobiliser la communauté noire. Yo. Donc, est-ce que ça va alors augmenter le taux de participation? Mais un conseil d'État pour garder, tant que Caroline du Nord, Arizona, Pennsylvanie, Florida, Wisconsin, Michigan, Ohio, il y a swing state. Ça veut dire que aux États-Unis, un ensemble d'États qui toujours voté républicain, un autre ensemble d'États qui toujours voté démocrate, mais l'État qui me saute bas ou là, son série de l'État gagne des élections présidentielles. Yo voté républicain, gagne l'autre élection présidentielle, yo voté démocrate. Mais en général, les élections présidentielles américaines il y a deux États, si républicain ou pas gagné, candidat républicain a perdu l'élection quand même. C'est Florida avec Ohio. Depuis qu'il n'y a pas deux États, en général, ils ont toujours perdu. Donc, pour, il y a à peu près 70 à 80 Haïtiens américains qui sont candidats. Donc, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora aux États-Unis, qui sont Haïtiens américains, il y a trois bagages qui sont importants pour faire. Al travail comme volontaire. Pour un haïtien américain qui candidat à Florida, New York, New Jersey, Boston, on sait des côtés comme ça. Travaille comme volontaire pour eux. Parce que les haïtiens perdent l'élection pour 50 pour 10. Deuxième bagaille là, si vous n'avez pas fait ça, vous avez l'argent. Parce que aux États-Unis, l'élection coûte comme. Par exemple, pour candidat à la présidence, pour année ça, chaque a dépensé à peu près 1 milliard, 400, 700 millions de dollars américains pour faire campagne pour président aux États-Unis. Troisième bagaille là, en plus de l'argent qu'on a voté pour candidat haïtien américain, à voter pour eux. Parce que il y a des zones haïtiens perdu pour 40 votes et puis il y a 3 000 haïtiens qui sont dans la zone n'ont pas voté.
Donc ça a lié important parce que l'organe mon dans système parce que c'est vraiment un système représentatif que lié l'organe mon dans communauté qui dans système ou gen moun ki ka parler pour gen débat ou a besoin en tant que communauté. Donc ça est important pour nous insister sur lui. Ouais. Eh bien OK, en Haïti et comme en fait ou fait partie m'gadi de l'équipe qui est donc au pouvoir et au parler pour yo proposition pour yo et qui le et membre nouveau conseil électoral provisoire capable de prêter serment par devant la cour de cassation. Bon, gen deux options qui devant pour avancer avec conseil électoral là. Et première option hein, c'est que est-ce que dans la constitution il fait l'obligation pour conseil électoral là prêter serment devant cour de cassation, conseil électoral provisoire. N'importe qui monde qui expert en droit constitutionnel a dit que Constitution en article 194.2, c'est ça, fait obligation à conseil électoral permanent pour prêter serment devant cour de cassation. Et Koulia, est-ce qu'il fait obligation ça à conseil électoral provisoire et gonvite oui, dans la constitution mais qui sont fait, oui, mais qui sont faits des coutumes en fait. Oui, alors, Stanley. Bon, c'est ça, Mdou, c'est son coutume lié, son tradition. Donc, est-ce non, que conseil, Stanley. Est-ce que coup de cassation, vle kembe tradition ça? Et est-ce que pour qui raison que en d'un coup de cassation jusqu'à présent parce que nous juste qu'on est que pas gain quorum et est-ce que yo pour une décision pour que élection faite dans pays a ou bien est-ce que peut-être ou qu'on est gain peut-être depuis 2012 un juge qui t'a même dit président provisoire est-ce que c'est dans contexte ça nous pas gain réponse à question ça on ba qui clair c'est que coup de cassation pour qu'on prononce. Donc, pour faire élection dans le pays, où est la différence là avec les États-Unis et la République dominicaine? Dans la République dominicaine, il n'y a aucune opposition qui a dit qu'il n'y a pas d'élection avec Danilo Medina. Et aux États-Unis, il n'y a aucune opposition qui a dit qu'il n'y a pas d'élection avec Donald Trump. Ou est-ce une bonne excuse de nek qui fait élection? Parce que la réalité a s'allié depuis 15 ans, un groupe de leaders politiques, étant donné qu'il n'y a pas qu'à venir avec plan économique pour faire rêve peuple là tout n'est réalité chaque papa maman capitaine de la matin débat là yo gon rêve pour maman gon rêve pour papa yo gen rêve pour petit yo nèg yo pas jambe vin là nan matin débat ou nan l'autre radio vin expliquer peuple là mais plan économique que yo gen pour faire rêve peuple là tout n'est réalité donc monsieur Sayo madame Sayo qui nan opposition radicale là yo pas ka connecter à population donc sou pas ka connecter à population gen élection peuple pas pral voter pour. Donc seul gens pour prendre pouvoir, c'est forcer pour forcer transition. Et même le regarder, jodi a spectacle que opposition radicale la offri, nèg y a goumen pour $200,000 américains, on pouvoir voler baio. Nèg y a goumen pour 15 millions de gouttes qu'un journaliste pas recevoir parce qu'il était qu'on parler pour yo dans micro. Spectacle ça a affecté base opposition radicale là parce que comme ça yo lè ou ba en lè, li pa arrive à terre. Parce que je dis à l'on parler de l'opposition qui sont où est la famille politique de René Préval. Tout n'est bon qui est-ce qu'il a dans le temps pour un pouvoir de l'intérieur. Ou bien un secteur démocratique et populaire, qui moi-même moi le secteur violent et destructeur. Et tout le monde qui est-ce qu'il a dans le Jacques Boumen semaine ça. Ou bien la valace là qui a un agenda pâle pour servir à tout le monde. Et puis qu'on côté le lac et tout le monde pour la grand pouvoir pour contre. Et lui te fait la privée et fruit de Jean, il n'y a pas de marché parce que Jean Charles devine à atterri à cause du Parlement. Ou bien, parti modéré, qui a un regroupement, qui a la danse, marché contre OPL, fusion, nous ne sommes pas dans la violence, nous ne pas perdre votre peuple là, il y a habituel dans l'élection. Ou bien, petit Dessaline qui sépare de l'autre nègre, et quand vous êtes assez intelligent, analyse côté fait hier, correct, elle dit que Moïse Jean Charles vient comprendre que. Pep pas voter moun k'ap boule marché. Nèg yo boule 19 marchés publics dans 3 ans qui sont passés à marchandise 10 machin. Pa gout 15 machin k'ap al voter opposition. Et chauffeur taxi en camionnette là qui nèg yo boule machine yo dans fait pays là, yo pa pral voter. Paysan qui fin produit que marchandise qu'elle fin produit à manger qu'elle fin produit à banane patate là a pourri dans main pour tête barricade c'est avenir. Il pa pral voter nèg ça. Jeune nan
au lieu nèg yo vinn di jeune nan mais programme éducation mais qui j'aime pas créer travail pour la jeunesse nèg yo camper nan figi jeune yo insulter yo yo dit la jeunesse barricade c'est avenir donc nèg ça yo pas cal dans élection et en plus de opposition modérée ou gagner et ça me les bourgeois voler pas des capter les guider nèg yo parce que dans hôtel Marriott une bagaille qui bail peuple en pile déception les réunions hôtel Marriott la vidéo et photo y a sorti de réunion Marriott là tout peuple a venir découvrir que nèg yo pas mettre tête yo c'est bourgeois voler cap piller dans électricité cap piller dans produit pétrolier cap piller dans importation cap piller dans dollar cap piller dans gaz c'est bourgeois voler ça cap télé guider nèg yo à coup de cob donc jodi a pendant que n'a parlé d'élection c'est ça réalité politique là bon série de nèg yo peuple plus gros pouvoir qui existe dans pays là qui c'est bulletin de votre peuple là nèg yo peuple bulletin yo parce que et louko pour soi représenter venir jodi a et soit dans l'élection gen moun k'ap voto et moi Jean Charles m'ba di la privé loin mais dans dernière élection moi Jean Charles te bay 7-8% bon série de nèg là k'ap fait gros gorge dans radio nèg yo pa ka faire 1% dans l'élection hein? André Michel était candidat à la présidence en 2015-2016. Il n'a pas fait 3 votes par section communale avec plateforme justice. Il est retourné comme candidat au Sénat en 2016-2017. Les privés étaient là avec DNP comme candidat sénat de l'Ouest. Même toi, parle des mondes qui allaient, monsieur, à 1200 votes. Sanley. On nous était sous ça, on a discuté là parce que nous avons le cap crasé nous là. On nous était sous ça n'a parlé là parce que nous avons leur cap crasé nous là. Donc ça okay, d'après ou même jusqu'à présent et Jean tout sondage au bail là et Baden gonti on ti devant puisque c'est premier et débat que tu fait. Oui, le débat de ça tout à l'heure. Alors moi je voulais ajouter et pour Stanley et ou parler de article 294 et constitution ou dit pas gon côté li mentionné conseil électoral provisoire pour prêter c'est alors membre pour conseiller à prêter serment devant cour de cassation c'est ça que permanent provisoire même c'est ça dans constitution il dit clairement que les conseils électoraux permanents mettent en place faut que la prêter serment okay. Constitution pas dit rien et lit totalement muet c'est une raison encore pour nous changer la constitution. OK, bon m'ajoute au bail pour dire rien en matière de conseil électoral provisoire. OK, bon m'ajoute pour vous gain et décret de mai 87 et 1987 et dans article 241 li bam li pour il dit les dispositions constitutionnelles et légales relatives au conseil électoral permanent s'appliquent également au conseil électoral provisoire chargé de réaliser les prochaines élections. Car c'est décret qui l'a dit. Mai 87. Mais il parle d'un décret 2016. Ah, il est toujours valable. Dernier décret. Non, est-ce qu'il y a un décret qui rentre ça? Il est toujours en vigueur, Stanley. Excusez-moi, il parle d'un décret 2015-2016. Là. Non, est-ce qu'il y a un décret qui rentre décret ça? Non, même d'où il parle dans le décret 2015-2016. Non, attendez. Pour décret à ta rentrée, c'est fonction l'autre décret qui rentre ou bien gon loi qui fait qui rentre. Oui, la loi électorale de 1990 annule le décret de 1987. La loi électorale de 1995 annule le décret de. Faut pas oublier que de 1987 à nous, pour faire au moins 14 à 15 lois et décrets électoraux. Stanley. Donc écoutez, on va connaître station de serment. Non, allons clair. Non, non cas ça. C'est pour Stanley à le regarder décret parce que ça l'a dit il pas trop qu'aimer. Parce que chaque élection nous avons loi. Et excusez-moi ta tout. Et on va pas parler comme ça, son ancien député. Non, ça est pas en matière, ça n'a pas l'air là. Que permanent ou provisoire, c'est même bagaille. C'est même fonction. Que permanent ou provisoire, c'est même bagaille. C'est parce que pas permanent ou fait provisoire, mais c'est même bagaille. C'est même rôle là, c'est même privilège. T'as tout. Parce que y a l'autre bagaille ou qu'à utiliser, oui. Moi, je connais que l'autre bagaille ou qu'à utiliser. C'est pas moi qui a dit. Mais y a l'autre bagaille ou qu'à utiliser. T'as tout. Comment si un député connaît que si t'es un décret qu'il a pour un bagaille, pour même bagaille ça? Une nouvelle loi parlement voté ou bien un gouvernement après il vient avec propre décret
décret qui était là avant automatiquement tombé. Mais ça t'a tout connaît. T'a tout connaît que dans cas ça. Dans cas ça, bon même t'ai choisi m'pas dedans, mais dans cas ça, loi qui pour permanent et l'éclair ou utiliser pour provisoire, c'est même bagaille. C'est pas vrai. C'est une obligation, c'est une obligation de travail. Si vous reproduisez même, non, d'accord avec vous. Mais moi même pas même rester là. Moi même côté Mia, c'est que nous avons un pays à construire. Nous, faut nous apprendre à pas faire partie de problèmes encore. Faut nous tout à faire partie de solutions. Réalité, c'est que bon, c'est des nègres qui gagnent un agenda pour aller séparer l'État en coup gâteau sans votre peuple là. Ça n'a pas bon pour démocratie là. Pour moi-même, en dedans coup de cassation, première réflexion que vous pral fait, est-ce qu'elle bon pour démocratie, pour vous-même en tant qu'institution judiciaire, contribuer à travailler nèg qui veut craser base démocratie qui chita sous élection. Parce que ça qui est en jeu là. Ça qui est en jeu là, c'est que nous devons faire un choix en deux bagailles. Premier choix, 15 bourgeois volés. Capral Chita, 45 anarcho-populistes dans l'hôtel Marriott pour séparer l'État, tant que gâteau sans vote peuple. Deuxième choix, pour nous organiser une élection qui permette que ce peuple choisit qui moun kap entrer dans la mairie, qui moun kap entrer dans le Parlement comme sénateur et député, qui moun kap entrer comme président dans le Palais national. C'est deux choix ça qui devront nous. D'accord. Moi-même, dans le sondage que je fais rapide, moi-même, dans le sondage que je fais rapide, il y a 236 partis politiques aujourd'hui qui sont enregistrés et reconnus par le ministère de la Justice. Dans l'enquête que je fais, dans 236 partis politiques qui sont enregistrés dans le ministère de la Justice, aujourd'hui, je m'a parle avec le 1er octobre, il y a 160 là d'ailleurs qui parlent pour aller dans l'élection, il y a 45 qui déjà dit qu'il y a boycotté et il y a là d'ailleurs qui parlent changer d'opinion, il y a 30 qui ont gagné opinion sur ça. Donc ça veut dire que la majorité des partis politiques candidats dans le pays, ils sont favorables aux élections. Deuxième bagaille qui est important, un phénomène qui va arriver nous dans l'élection ça, qui n'a jamais arrivé nous depuis 87. Ou va gagner émergence de nouveaux partis politiques et gagner des partis politiques traditionnels qui étaient souterrains depuis 25 ans ou va disparaître dans l'élection ça va venir. Ils n'ont pas représenté au Parlement pour des raisons bien simples. Ils n'ont pas boulé marché à marchandises, ils n'ont pas besoin de craser la police, ils n'ont pas craser le fonctionnement de l'école pendant petit jour. Fonctionner à l'étranger, et petit l'école à l'étranger, petit peuple à l'école, mais il y a crasé l'économie pays, il n'y a pas jamais offrir un bagage pour faire rêver. Tout conclut pour nous, Sandé Luka. Tout conclut pour nous. Donc, pour moi-même, et pour finir, dernier mois, parce que sous ça, je finis ça, m'a dit, dernier mois, c'est que nous condamnons sa crise à petit Joseph Lambert. Ouais. Son bagage inacceptable dans la société démocratique. Joseph Lambert est l'ancien président de la Chambre des députés, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et son leader qui n'a pas de parti politique. Ou bon problème avec lui, a fait débat démocratique avec lui, ou pas cap cibler petit lui. Son bail inacceptable. Pour moi-même, non, ça passe à son bail inacceptable. On sorte de on frontière qui est au travers là qui n'est pas acceptable pour la société pas noire. En tout cas, merci pour moi qui voulez continuer à faire échanger avec nous. Vous pouvez checker nous sur Twitter, @sandeluka01 ou bien à commercial @sandeluka01 ou bien sur Facebook. Nous. Donc, nous avons suggéré au juge de cassation de prendre décision pour nous prendre. Et moi, j'espère que la décision que nous prenons en faveur de la démocratie, ce n'est pas pour faciliter le coup d'État, parce que nous croyons au juge, nous croyons dans la loi, nous croyons dans la Constitution, nous croyons dans la démocratie. Bon Dieu béni, nous sommes là, monsieur. Merci, Bill. Bon, en question de Dieu, pas besoin de prêter ça. Ça l'a dit, juge là. Vous pouvez qui ça? Bon, en tout cas. Oh, bah, comment? Okay, le bon. docteur Doré dit il a pas besoin d'aller prêter serment et puis il a dit pour et juge dans cour de cassation prendre disposition pour prêter serment pas comprendre ça bon en tout cas et envoyer le loco gonti réflexion que moi gonti incohérence moi il a parlé de changement de constitution et élection c'est deux grands points qui dans le programme binu gon incohérence moi gon pique devant qu'a fait pour élection et comme si moi mettre Doval te parler de ça. Peut-être, bon. Mais Doval te parlé de, d'abord, changement constitutionnel en avant, changement de constitution en avant, après élection. Mm-hmm. Parce qu'on on dit que, ou a couru faire élection là, ou fin faire élection, et puis après, ou a l'an changement de constitution, et puis, régime n'a changé. Right. Ok, ou fin faire élection, ou gen se débuté, ou gen,
sénateur et puis ou vinn gen premier ministre et puis dans changement constitution yo vinn di son parlement mono et caméral n'a gagné et puis n'a gagné un exécutif m'te ka di président un régime présidentiel et puis ça qu'pa le fait là non de toute façon c'est la réforme constitutionnelle avant mais c'est voilà c'est ça le doyé de toute façon. Alors, en tout cas, si réforme, il y en aura. Ah oui. Donc, de toute façon. Donc, c'est ça qui vous fait avant et puis ensuite les élections. Et puis les élections maintenant, après. Maintenant, ça pour nous dire nous-mêmes en conclusion à l'émission Matin Débat. Et tout effort que l'exécutif est capable de faire pour permettre que les nouveaux membres en fait, du nouveau conseil électoral provisoire t'a prêté serment devant la Cour de cassation, c'est tout à fait effort. Oui. Parce que là, si. Il a prêté sous code règle de savoir que oui, parce qu'il n'a pas dit dans la Constitution et qu'il n'est pas capable de passer, il n'est pas capable pour la prêter seulement devant la Cour de cassation. Ce pas qu'on est, c'est qu'il y a une coutume. Yes. Et que ça, lui, pourrait permettre que qu'on déficit de légitimité, en fait, à ce conseil. Maintenant, tout effort que l'exécutif est capable de faire, c'est pour le faire. Comment on peut vous dire ça? Pourquoi ça l'a prêté seulement? C'est parce que l'a dit ou juré pour respecter la Constitution. C'est parce que. Et parce que l'offre fait tout ce qu'on va faire, ou mal faire, ou violer, pour être capable de poursuivre vous par, pour par jour, oui. Clair. Et pas suivre vous là pour par jour. Maintenant, l'offre, parce que tu prends l'engagement devant la nation, maintenant, l'offre pas fait le coup là. Et comme si tu as dit, ou bien le champ libre, ou fait tout ce qu'on veut. Non, monsieur, nous ne pouvons pas faire payer ça. Je crois que nous épuisons tout point qui était parti en sous table. Ah, négatif, le docteur Bindim, il n'y a pas de prêter serment, il n'y a pas de nulle part dans la Constitution. Sachez l'autre argument, monsieur. J'ai bien entendu. Il y a l'autre bagarre, nous avons dit, monsieur. Cherchez l'autre bagarre, il n'y a pas dit ça. Donc, à son sautille. Ok. On a allé. Comment nous y est? Qui raison pour passer dans l'émission Matin Débat? Merci, Louko. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui branche Radio Télé Éclair. Je m'appelle Salut Louko. Et puis, matin à tout. José Lexidor, Junior.